principal de ce projet, c'est pouvoir créer du lien et faire se rencontrer des gens qui n'auraient pas l'occasion de se rencontrer. Alix, elle est journaliste de formation. Et alors moi, j'ai fait des études de gestion hôtelière et j'ai travaillé dans pas mal d'endroits différents, mais toujours en lien avec l'alimentation. On propose aux gens de venir cuisiner le matin. Donc on arrive à 9h, on prend un café tous ensemble et on décide du menu que l'on va créer pour le repas du midi. Donc on fait un menu complet, une petite entrée, un plat et un dessert en fonction des légumes de saison que l'on achète auprès d'un maraîcher mais que l'on récupère également en invendu. Donc là, il y a énormément de champignons aujourd'hui et des épinards qu'il faut faire en priorité. Avoir un peu ce que vous avez envie de faire et ce que vous aimez. On veut lutter contre le gaspillage alimentaire et sensibiliser en fait les gens au gaspillage alimentaire. Donc on a un partenariat aussi avec le De Barna et Terbeek où on récupère en fait leurs invendus une fois par semaine. L'idée, c'est que ce soit vraiment créatif et que ça émerge en fait des gens. On veut vraiment mettre l'accent sur le faire ensemble, quoi. On n'est pas là pour donner un cours de cuisine, mais vraiment pour travailler ensemble. Et l'idée, c'est justement voilà, de rencontrer son voisin, de papoter. Si on n'a pas envie de venir cuisiner, on peut très bien venir manger comme un restaurant classique. Sauf qu'il n'y a pas de service. On participe, on se lève, on fait les plats pour sa table. Dans l'idéal hors Covid, ce serait des grandes tablées, des plats à partager. Si on a le temps, on reste pour faire la vaisselle. Participatif jusqu'à l'addition. C'est une addition à prix libre. On a évidemment un prix suggéré qui est de 10 euros. C'est un prix d'équilibre en fait, qui nous permet de rentrer dans nos frais. On a un loyer à payer. À terme, on aimerait pouvoir rémunérer un temps plein. Et on a tous les légumes, évidemment, et les produits secs à acheter. Donc c'est 10 euros, mais si on met plus, si on a la possibilité de mettre plus, ça permet donc à des personnes qui ont moins de pouvoir également profiter de venir manger chez nous. C'est un rêve qui se réalise. On voit les réactions des gens, ils sont super contents. Ça leur fait du bien, en fait, et on a des retours assez positifs. J'adore, en fait, voir cette énergie. Et c'est surtout quand les gens viennent me dire à la fin, ben voilà, tu sais, moi je suis pas bien et ça m'a fait du bien et c'est cool. Et là, t'as vraiment l'impression de faire du bien aux gens et ça, c'est ce qui me motive à fond. Pour moi, la good food, c'est manger local, de saison, essayer de jeter et de gaspiller le moins possible et surtout de rendre l'alimentation durable accessible à tous.